Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Vous avez donné 1 000 euros à un mec qui a pas d'enfant, qui s'est fait virer de son boulot parce qu'il fait de la merde sur les réseaux. Mais bande de pute, oh la Sandra là, hein? La Sandra de merde là, avec ton nez crochu là. Espèce de pute. On a tout signalé, sache LPST, qu'on a tout signalé ta cagnotte. Espèce de fils de pute. Hein? Et on l'a signalé. Comme ça a été fait pour JDO et c'est pas moi, je faisais pas partie des gens qui ont signalé pour JDO. On a signalé ta cagnotte. Honte à toi, fils de pute. Honte à toi. Espèce de grosse merde. Oh, tu veux violer des enfants. Tu veux les mettre sur le trottoir. Tu veux les immoler. Tu menaces des enfants. Tu dis à des gens que je suis sous curatelle, que je suis pas. Fils de pute. Et on te donne 800 euros. Fils de pute que tu es. Fils de pute. Et moi, j'ai pas besoin de vos 800 euros. Moi, mon congélateur, il est plein. Mon frigo, il est plein. Fils de pute que tu es. Et moi, je te donne pas l'heure. Je te laisse crever de faim, t'as compris? Je te laisse crever de faim, fils de pute. Et toi, je quitte ta mère, là. Espèce d'enculé, là. Toi, tes vidéos de merde. 1000 euros à un harceleur. Vous donnez 1000 euros, le Yuki à Sandra Priya. Vous donnez 1000 euros à un fils de pute d'harceleur. Bande de fils de pute que... JDO, ne reviens pas sur ma page, je vais t'enlever la modération. Ne reviens pas. Abdel, ne reviens pas sur ma page. Jamais je vais vous bloquer. À jamais. Mike Rossi, je ne veux plus jamais te parler. Plus jamais. Abdel Safata. Non, Karim Safata. Sofiane Safata. Jonathan Albuquerque. Sandra Priya. La guerre entre vous et moi a commencé. On va voir, bande de fils de pute. Oh, t'as qu'un chien à nourrir. Oh, tu peux pas aller travailler? Va au McDo. Va faire des ménages, fils de pute. Hein? Au lieu de rester sur ton ordinateur à faire des ric-rac pour ta pute de Sandra Priya, là. Pour ta chienne qui n'est pas capable de donner 10 euros pour bouffer. T'as compris, fils de pute? Et t'inquiète pas, je parle devant ma fille. Hein. Ma fille, elle est à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, l'assistante sociale. Parce qu'elle vient jeudi, l'assistante sociale de la justice. Si vous n'êtes pas au courant. Elle est déjà chez moi. Et j'assumerai mes propos. Vous avez compris? Parce qu'elle va comprendre face à un fils de pute comme toi qui a menacé de brûler mes enfants que je t'emmerde, fils de pute. Et jeudi, l'assistante sociale de la justice, Justine Favre, elle vient à 14h30. Ben voilà. Ben, elle a pas envie. Elle vient à 14h30. 14h30. Jeudi 14h30. L'assistante sociale de la justice. Je vais t'enculer, LPST. Je vais t'enculer. Toi, Sandra Priya, à Jonathan Albuquerque, Sofiane Safata et Karim Safata. Bref. Allez, qu'est-ce que je peux leur mettre cette chanson là pour les calmer là, ces fils de pute là. Grosse pute que tu es là. Et Vinsica. Je t'encule. T'as vu? Je te pisse à l'arrêt du cul. Espèce de sale pute. Tiens, je te mets une chanson. Va te faire enculer, sale pute. Ta chienne. Hein, tu donnes du fric à un bâtard qui veut brûler des enfants. Sale chienne. Bâtard que tu es. Tiens, je te réponds en chanson, sale pute. La nana, elle va donner du fric à un mec qui veut te brûler, Justine. Fils de pute que tu es. Sale chienne. Evine Sicard de merde. Je vais te retrouver avec... Je vais aller... Écoute-moi, je vais régler ça avec toi, Evine Sicard. Devant la justice. Et tu vois, il y a des gens de cette sphère qui ont donné 1000 euros à un mec qui a fait 7 ans de prison pour un go-fast, pour de la drogue. Ils ont donné 1000 euros à un mec, de fils de pute, qui a voulu te brûler toi et ta sœur, et moi, qui a voulu vous mettre sur le trottoir toutes les deux. Voilà les gens de cette sphère. Ils viennent de lui donner 1000 euros aujourd'hui. Bravo. Vous êtes des merdes. Ne revenez plus jamais sur ma page. Louis Armel, JDO, Lee Boy. Ne revenez plus jamais sur ma page. Désolé, B-Boy. Désolé, JDO. Désolé, Warmel. Malgré que le lien que j'avais avec vous, vous cautionnez un fils de pute. Ne revenez plus.
jamais sur ma page. Plus jamais. Cautionné de merde, hein? Alors que sa actu de merde, là, Baracas, à 400 000 euros et sa voiture de location, là, parce qu'elle n'est même pas propriétaire de sa voiture, ne revenait plus jamais sur ma page. Plus jamais. D-Boy, tu es banni à vie. Lou Armel, tu es banni à vie. Jidéo, tu es banni à vie. Et toi, Evin Sicard, la suceuse de bite, là, hein? Toi qui suces des petits jeunes, là. Hein, Evin Sicard? Tu suces des petits jeunes, toi? Espèce de pute? T'as besoin de vieux de mecs de 30 ans, toi? Sale pute? Va sucer va sucer un mec qui fait du go fast et qui vend de la drogue à des enfants. Sale pute. Sale chienne que tu es. Grosse merde. Vas-y, crève. Salope que tu es. Regarde, ma fille, elle est à côté. Elle entend ce que je dis. Elle est majeure. C'est plus une gamine. Sale pute d'Elvin Sicard. Toi, je te vois demain dans la rue, je te nique ta mère la pute, t'as compris? Je te fais manger le sol, sale pute. Et enregistre, et va demain porter plainte. Je t'encule devant la justice, sale pute. Et je dirais que tu cautionnes un bâtard. Que tu donnes du fric à un enculé.